puis après c'est Nash qui rentre. Tout est bon comme on pousse, hein. Voulez-vous faire de la dégustation? Ah, des opinards. À goûter pour voir. Ça énerve, hein? Oh oui! En temps normal, elle sonne l'heure pour la cantine. On n'a pas pu la déprogrammer. Elle sonne même le week-end. Oh. Salut, pas. Bonsoir, monsieur. Oui, oui, bonjour. Dis donc, c'est à ce temps-ci que tu rentres? Bah ouais, figure-toi que on est tombé en panne avec sa meuble. Ouais, désolé, monsieur. On m'avait piqué la bougie. Il n'y a pas que dans la meuble qu'il manque une bougie, hein? Bon, Suzanne, je te présente Valérie, la fille aînée de Robert. Suzanne, ma fille, et Pierre-Emmanuel, son petit copain. Mmh. Aucun intérêt. Dis, t'as dit bonjour à la dame? Salut, madame. Vous avez entendu? J'ai pas entendu, vous avez répondu? Oui, oui, bonjour, bonjour. Mmh. Ouais, bonjour. Bon. Ah. Bon. Alors, Pierre-Emmanuel, Pierre-Emmanuel. Oh, c'est par nom de famille. Alors, Guano. Guano, Guano. Il n'y a pas de Guano. Thank you.
m'auras-tu ? Écoute, ça va très bien. Dans ma biche. Mon Dieu, que c'était bon tout ça. Oui, non, oui. Enfin, c'est par rapport à... pour pas te déranger. Oui, va t'isoler, va t'isoler. On t'amène la camisole. Oui, oui. Je suis Michou. Je viens pour le banquet, rapport à la noce. Pas pour le service, quoi. Ah, on vous attendait plus, hein. Vous avez trouvé facilement. Ah, c'est vrai que c'est pas bien fléché, hein. Attention, ça va tomber, là. Je suis pas trop en retard. Si. Un petit peu, quand même, mais c'est pas grave. Tout le monde est à la bourre. Suivez le crayon, là. Là. Voyez ? Salle de banquet. Vous suivez les flèches quand vous arrivez à la cantine. C'est là, c'est le réfectoire. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur. Et là-bas, j'enlève le parachute. On va pas manger chaud, hein. Ouais. Oh bah ouais, mais tu sais bien que je suis de mariage. Il aurait dû rester en CE1. Il est bien gentil, mais c'est un petit con. Oh. Et ben, ça vous dérange pas de le voir avec Suzanne? Ah si, un petit peu. Mais lui, au moins, on le connaît, on sait d'où il vient. Ah ouais. C'est le fils d'un honorable charcutier de la région. Charcuterie Guano. Ils font une andouille. Tiens, hey, d'ailleurs, ils l'ont bien fait, lui. Il va vous faire toute la journée, celui-là. Vous êtes sûr que vous voulez dîner avec moi? Parce qu'on peut changer si vous voulez. C'est moche, il faut qu'elle parte. Faites-moi penser à vous présenter le serveur, vous devriez bien vous entendre. Les étoiles là, ouh là là, à côté des ronds, non, pas à côté des ronds. Non, non. Sauf si vous tempérez par un triangle. Ah, sauf Martino. Oh, cela, elle est terrible, terrible. Regarde. C'est quand on voudrait que ça sonne pas. Bon, eh ben je vais vous laisser, hein. On va en garder pour ce soir. Ce serait dommage de ne plus rien avoir à se dire. Je vous laisse le plan. Oh ben merci beaucoup. De rien. Dis-moi, Julien, la pétrillette qui a donné son steak? Ah non, je lui ai donné une boîte. Oh, bah t'aurais quand même pu lui donner un steak pour le mariage de maman. Mais elle est très contente avec sa boîte. Oh, bah tu peux. Elle a plus qu'à l'ouvrir. Oh. Fait. Ouais, vous arrêtez de me filmer tout le temps, c'est énervant et en plus c'est gênant, c'est gênant. Ouh, vous êtes super quand vous êtes en colère. Chaud de vent. Regarde. C'était le service en cristal que maman avait choisi. Et dans l'autre paquet, là? Oh, une perle suisse avec une cloche en verre. Attention, celui-ci surtout. Attention, c'est la grenouille en porcelaine pour maman. Eh ben, tremble pas, enfin. Mais ça va, elle a rien. Elle bon, a... ben, donne-moi ça, parce que... Ah oh, ben, je crois qu'elle a fait des états. Faut le dire, quand même. Eh, hey, c'est comme une compagne, hein. Faut pas l'oublier, ça. Ah, moi, je dis c'est nous qu'on paye. C'est moi qui paye, parce que toi, t'as pas un radis. Ah, non, je crois pas. Je paye pour le mariage de ton père à toi. T'es con, tu sais. Au début, je me disais, il le fait exprès pour donner un genre. Eh ben non, je vais me marier avec un con, voilà. Voilà. Regarde, il y a un truc derrière toi, là.
là. Oh, hé, n'auriez pas une clope? Je ne fume plus. Comme ça, on me demande plus. Et comme ça, on m'emmerde plus. Mais, en fait, on n'a pas été présenté. Ah bah oui, forcément. C'est pas évident, hein. Il y a les gars d'un côté, le chef de l'autre. C'est pas facile. Oh ah bah oui, si on avait été assis à table, peut-être qu'on aurait discuté. Mais c'est vrai que là, les familles, elles se parlent pas trop. Oh, oh là là, elle pue, c'est une affection. Oh, mais... oh, et vous l'avez senti là, le bon marin, là, comme elle pue. Oh. Attends, le chien mouillé. Pardon? Attends, le chien mouillé. Ah oui, oui. Mais le chien était très, très, très mouillé, hein. On l'a sorti de l'eau, il était mort. Il va y avoir du grabuge. Des grabuges. Oh, il y a Alice, là. Non, mais si, c'est Alice, la cousine directe. Et vous savoir, qui c'est qui a dit qu'elle est vieux. Oh, je suis un petit peu pompette, moi. T'es déjà bourré, toi, hein? Tu me caches des choses. Odile m'a dit pour le mariage. Hein? Bienvenue dans la famille. Hein? Alors toi, tu t'écrases. Oh, Odile n'a pas dit le lit. Tu fermes ta gueule. Oh, ok. T'écrases le chantier et tu t'assois. Fais voir. T'inquiète pas, il est pas rentré. J'ai envie de faire pipi. Bah tu vas, c'est là, les chiottes sont ici là. Allez. Oh. Moi j'étais, enfin, le genre du marié, enfin, jusqu'à deux minutes quoi, parce que... Va-t'en, je ne veux pas que maman te voie, alors dehors, tout de suite, s'il te plaît. Mais laisse-moi tranquille. Allez, hop. Mais me fous dehors, c'est pas possible. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? Non mais c'est pas possible. Oh putain, là là là. Et remarque, t'as raison, on m'avait justement piqué le mien. Quoi encore? Odile m'a tout raconté. J'ai tout, c'est moi qui ai dit à Elodie pour le mariage. Tu m'en veux pas, Guigui? Elle est conne! Mais je vais t'embêter aussi! C'est moi le plus fort! C'est moi le plus fort! C'est moi le plus fort!
lui a imposé ton point de vue. Et comme on n'avait pas le même, mais alors évidemment, ça n'allait pas. J'ai dit la vérité, tu peux demander à Gilbert. Aïe, 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 aïe. T'as pas perdu la main, saloperie. Ah. Et qui t'a parlé du mariage? Quelqu'un. Qui? Quelqu'un à la famille? Tout le monde avait hâte de se taire. Mais ma petite sœur, je ne suis peut-être pas la seule brebis galeuse de la famille. Ah, c'est Alice, c'est ça? Alice? Ah, parce que Alice est ici. Oui, 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 mais en tout cas, c'est un joli cheptel, oui. Oh, non, je savais pas, franchement. Excusez-moi, madame. Oui. Je vous cherchais, c'est pour savoir si on peut servir le gâteau. Pourquoi, vous l'avez déjà découpé? Ben oui. Mais j'ai même pas encore mis les petits mariés. Oh. Bah, c'est pas grave, on peut les mettre dessus quand même, ça sera fun. Viens là, ça. Là, 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 là. Ah, je suis là. Deux minutes, j'ai la vue. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, oh, mais qu'est-ce que tu foutais? Vous demandez ce qu'ils allaient venir. Bonjour. Oh. Ah, dis donc. Ah, t'as toujours le même parfum, toi, c'est pas possible. Oh. Ah, elle est pas contente, la Yvette. On va le bigorcher sa fête. Oui, bien. Antoine! Gilbert! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, t'es mon grand! Bah, je suis content de te voir. C'est tout ce que ça te fait de me revoir? Mmh. Bah, tu vois, bon, il est pas très gros, hein. Bon, bon, j'aurais préféré plus, mais bon. Il est pas très beau non plus, mais bon. Pour une fois, tu m'as fait quelque chose, je vais le manger. La verrouille, tu te plaises pas? Eh ouais, il me plaît bien. Qu'est-ce que tu fais, mon Robert? Eh ben, je regarde le caméscope. Ah ben, c'est bien. Ouais. Tu veux pas goûter mon gâteau? Tu veux pas faire ton discours? Tu veux pas goûter mon gâteau? Ah non, je veux pas goûter ton gâteau, parce que moi, je vais manger. Ah oui? Et il est pas terrible. Non. Il y a un petit peu de sel dedans? Ah oui. Bon, écoute. Je vais aller faire le discours. Bah tu viens, Antoine, pour écouter mon discours? Oh bah non, tu manges ton gâteau là, bah mange-le bien. Oui, vraiment. Oh, est-ce que vous touchez la clochette, moi? Ouais, c'est pas grave, allez. Hop, la main ici. Hop, vous regardez dans le viseur, d'accord? Puis avec le gros doigt, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Le gros doigt, c'est le pouce. Allez, c'est ça. Et dès que ça clignote, on tourne. C'est facile quand même, vous avez compris? Ouais, c'est bon, essayez-vous là. Allez, c'est parti. Mais je filme quoi? Bah moi, voyons, moi. La tête. La tête à moi. Là, ça parle pas, hein. D'accord. Ok. Avant tout, ce que je voulais te dire, c'est que, bah, que je t'aime, quoi. Oh là là. Hop, on se calme. C'est au caméscope que je parle. Au caméscope, pas à vous. Au caméscope. Mais non, elle n'est pas rentrée toute seule, la coccinelle. Elle s'est le papa choupette. On n'est pas chez Walt Disney, du con. Allez, qui c'est qui me l'a ramené? La mère Meunier. Et je vais aller voir où c'est qui me l'ont encore. C'est ça. Allez, pour le corps. Bon, allez, t'es où, là? Voilà, j'ai fait psycho. Tu filmes. J'ai fait psycho. Allez. Voilà, j'ai fait psycho. Bon, allez, vous en êtes où, là? Tout ce que je voulais te dire, avant tout, je sais plus. J'ai fait des mots, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, deux. J'en suis sûr, il voudra jamais. Eh ben moi, je connais un moyen pour la calmer. Ah bon? Une clé? Oh non! Ça calme? Oh, ça calme! Eh ben, allez-y! Zut! Oh, mais tu me fais marrer! Il y a deux minutes, tu critiquais la vieille parce qu'elle n'allait pas avec papa. Et puis maintenant, tu te traites et dis, mais moi, on s'en fout du mari de papa. Pour une réplique, t'es un poids. Ça vaut pas le coup de rentrer pour une réplique. T'as toujours été un poids. Et tu seras toujours un poids. Alors, c'est ça. Ça, et ben un jour, je le dirai à papa. Viens ton machin là. Oh, je te pleure.
Ah bah désolé, hein. Bah vous vous ressemblez beaucoup, hein. Ah oh, bah c'est assez courant pour des jumelles. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, ce serait bien à ce propos que vous vous habilliez différemment, de manière à... Oui, je préfère dire salle de banquet plutôt que réfectoire. C'est mieux pour les gens qui regarderont la cassette. Oui, c'est bien, mais... Regardez la caméra, c'est moi, c'est pas la caméra qui va mettre les caméras. Oui, mais vite alors, hein. Allez-y, accès. Bon, ma chère Odile, ma chère belle-sœur, donc, si vous aviez un instant, si vous pouviez penser à l'agencement décoratif de la salle de banquet, ce serait admirable. Voilà, c'était bien. Ah, ouais, c'est pas donné. Oui, vous avez entendu sur le coup. Allez, action. Je mets mon chewing-gum là parce que je le récupère après puis je le mange. C'est pas facile de récupérer tout ça. Ah merde. Ah, ça a été compliqué. Ah, j'avais une idée de bon point, c'est que vous le temps. Bon, je vous propose de vous trouver un peu vert, vous. Et qu'est-ce qu'on fait si les 50 litres sont un peu verts? Eh ben, on les goûte. Et je goûte en vous dire que si c'est le cas, moi je vais me les faire avancer, hein. Oh, mais il arrête de goûter un peu de temps en temps. Sans aftan. Hein. Oh putain, c'est seulement pour...
je pouvais savoir qui a touché cette caméra. Oh là 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 là. C'est moi. Ah oui, il y a l'autre là, Christopher a un code de La Rochelle. Il m'a demandé de filmer, puis j'ai un petit peu rembobiné. Voilà. C'était flou donc. Ah, mais c'est qui commence à me plaire, toi. Je vais me la faire l'interroger, moi. Ah, On passe. Woo!